Nous passons donc à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale, Sa Majesté. Monsieur le Président, à la Première ministre, j'ai pas eu de réponse hier, donc je vais essayer encore une fois. Les enregistrements sont clairs et le chef de personnel adjoint fait l'objet d'accusations de corruption par la PPO. Les Ontariens veulent une réponse de la part de la Première ministre, qui a demandé à la chef de personnel adjoint d'offrir un pot de vin à Andrew Olivier en lui offrant un poste en échange de du fait qu'il se retirera de la course. La Première ministre, j'ai été très claire quant aux accusations entourant l'élection partielle de Sudbury. Les accusations ont été déposées et donc c'est une question qui est devant les tribunaux. Nous présumons l'innocence et nous continuerons de collaborer avec les autorités et avec toute enquête indépendante. Pat Serber a démissionné. Complémentaire. De retour à la Première ministre. Les enregistrements sont clairs et donc la chef du personnel adjointe fait l'objet d'une accusation de corruption de la PPO. Les Ontariens veulent savoir qui a demandé à cette chef de personnel d'offrir un poste à M. Olivier pour qu'il se retire de l'élection partielle de Sudbury. Arrêtez la pendule. Je n'aime pas ce que j'entends, donc je vous demande d'arrêter. Veuillez fournir votre propre décorum. La Première ministre, le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit la Première ministre, elle a été très ouverte au public, à l'Assemblée législative et aux médias en ce qui concerne les accusations entourant l'élection partielle de Sudbury. Comme nous savons, c'est un dossier qui est devant les tribunaux. Il serait donc inapproprié pour les députés de spéculer. Cela minerait les travaux des tribunaux et nous devons respecter ces travaux. Et donc, c'est une question qui est devant les tribunaux. Complémentaire final. Député de Wellington-Halton Hills, les enregistrements sont clairs. La chef du personnel adjointe de la Première ministre fait l'objet d'accusations de corruption de la PPO. Les Ontariens veulent savoir qui a demandé à la chef du personnel adjointe d'offrir un poste à Andrew Olivier en échange pour l'idée de se retirer de l'élection partielle. Le procureur général. Il est dommage que les députés de l'opposition continuent de poser ces questions. C'est une question pour les tribunaux. Le règlement de la Chambre nous donne des conseils en ce qui concerne les affaires des tribunaux qui ne devraient pas faire l'objet de discussions en Chambre. Je voudrais vous dire que cette question sera réglée par le service public du procureur qui est indépendant du bureau du procureur général. Nouvelle question, député d'Oxford. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les enregistrements sont clairs. La chef du personnel adjointe fait l'objet d'une accusation de corruption de la PPO. Les Ontariens veulent savoir, pour la quatrième fois, qui a demandé à ce que M. Olivier se retire en échange d'un poste offert par la chef du personnel adjointe de la Première ministre durant l'élection partielle de Sudbury. Procureur général, je voudrais dire aux députés honorables, la Première ministre a été tout à fait claire à l'Assemblée législative, au public et aux médias en ce qui concerne ces accusations durant l'élection partielle de Sudbury. Il y a eu des accusations déposées, donc cette question relève de la compétence des tribunaux. Ces questions sont tout à fait inappropriées et des réponses à ces questions sont également inappropriées. Ce sont des questions très graves
et elles sont réglées dans les tribunaux. Et sur ce côté de la Chambre, du point de vue du gouvernement, nous respectons ce processus indépendant et nous demandons aux députés de le respecter également. Complémentaire, la députée de Nepean Carlton à la première ministre, les enregistrements sont clairs. La chef du personnel adjointe de la première ministre fait l'objet d'accusations de corruption de la PPO. Les gens d'Ottawa veulent une réponse de la première ministre pour la cinquième fois. Qui a demandé à ce que M. Olivier se retire de l'élection partielle de Sudbury en échange d'un poste offert par la chef du personnel adjoint de la première ministre durant l'élection partielle de Sudbury? Le procureur général. L'opposition peut continuer de poser ces mêmes questions. Mais sur ce côté de la Chambre, nous n'allons pas intervenir dans un dossier devant les tribunaux. Ce sont des accusations tout à fait sérieuses qui ont été déposées contre des particuliers. Nous sommes obligés de respecter ce processus et son indépendance. En fonction des preuves, c'est la décision d'un tribunal de trancher. Ce n'est pas un travail de cette Chambre. Complémentaire final, député de Simcoe Gray, à la première ministre, les enregistrements sont clairs. Et maintenant, la chef du personnel adjointe fait l'objet d'accusations de corruption de la PPO. Les Ontariens veulent une réponse de la première ministre. Pour la sixième fois, qui a demandé à ce que M. Olivier se retire de l'élection partielle à Sudbury? Député de Barrie, à l'ordre. Please continue. Veuillez poursuivre. Des qui auraient demandé, offert quelque chose à M. Olivier pour le retrait de sa candidature pour la sixième fois. Cette affaire est devant les tribunaux. Et je demande à tous les députés, quelle que soit leur allégeance, de respecter le cours de cette affaire, l'impartialité et la neutralité des tribunaux. Cette affaire, qui fait l'objet d'accusations ou d'allégations graves, ne doit pas être poursuivie en cette enceinte. Tout doit se faire devant les tribunaux et c'est notre responsabilité à nous tous, à tous, tel qu'il est prévu au règlement de ne pas intervenir. Et je demande à tous de ne pas spéculer, de contre-interroger et de laisser les tribunaux faire le travail. Nouvelle question. Député de Bramley-Gore-Moulton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La propre Pat Sobera, son aide et M. Lougheed font face à des accusations. Ces accusations concernant monsieur qui aurait, ces personnes auraient offert un poste pour se retirer. Et c'est toujours la même question. Est-ce que la première ministre a demandé à Mme Sobera, à M. Lougheed, d'offrir un pot de vin en échange du retrait de sa candidature? Intervention du président. Il y a des façons dont les questions peuvent être posées sans insinuer des accusations. Si vous vous rapprochez de cette ligne, je vais vous demander de retirer vos questions. Première ministre, une fois de plus, j'ai toujours été ouverte. J'ai avec la presse, avec le public. Et si le député d'en face fait renvoi au journal des débats, il verra qu'un grand nombre de questions ont été répondues. Et j'ai parlé de ce processus concernant l'élection partielle de Sudbury. Nous avons une situation où l'affaire est devant les tribunaux. Il y a présomption d'innocence. À ce moment-ci, il faut laisser la cause se poursuivre. Pat Sobera s'est retiré de son rôle. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le chef du cabinet adjoint a parlé à M. Olivier que la première ministre
voulait s'assurer que M. Olivier allait jouer un rôle. Et s'il y avait autre chose qui l'intéresserait, dans ses capacités, elle est préparée à le faire. Et je cite, « Est-ce que la première ministre a demandé à Mme Subara de faire cet appel? » Je demande au député de retirer sa question. Et s'il continue cette voie, je vais passer la question. Vous pouvez reformuler la question. Est-ce que la première ministre, Mme Sobera, a-t-elle demandé à Mme Sobera d'offrir ce pot de vin? Vous avez posé la même question que je vous avais demandé de retirer. Je passe la question. La première ministre a une option de répondre. Merci. Le ministre responsable des relations avec les Autochtones. Second avertissement. Nouvelle question. Lorsque Jerry Laurie, la personne importante pour les libéraux, a rencontré M. Olivier, il a dit qu'il est venu au nom de la première ministre, qu'il pourrait y avoir une récompense pour se retirer. Et je cite, la première ministre veut vous parler. Nous voulons vous présenter des options en termes d'emploi et peu importe. Fin de la citation. Est-ce que la première ministre a demandé à M. Laurie de faire cette visite et de faire cet appel? Intervention du président. Arrêtez la pendule. J'ai pris le temps de bien comprendre, de vous faire bien comprendre pourquoi je ne suis pas très content. Je dois insister que les députés doivent utiliser un langage parlementaire pendant la question et la réponse. Il faut permettre la question. Mais ce niveau d'importance n'exempte pas les choses des règles du débat. Ce n'est pas acceptable de faire des allégations concernant un autre député, mais même si c'est fait par insinuation. Je sais ce qui est impliqué. Comme cela est dit, vous ne pouvez pas directement, indirectement dire ce qui pourrait être dit directement ou indirectement. Règlement de la Chambre, vous ne pouvez pas porter des accusations. Et je sais que le député est suffisamment à droit pour reformuler sa question pour éviter de telles violations des règlements. Le député l'a fait. Veuillez éviter d'imputer des insinuations que cette personne aurait commis un crime. Vous avez une autre tentative. Je retire ou je supprime ma question. Procureur général. Merci de votre clarification dans cette affaire. Pour moi, c'est surprenant. Et le dit que le député qui pose la question est un avocat général. Je pense et qu'il est très au courant en tant qu'avocat de cause ou de procès. Il connaît très bien le système de droit. Et qu'il est important que les cours et les tribunaux soient neutres et impartiels. Il reconnaît, comme nous tous en cette Chambre, que cette affaire est devant les tribunaux. Il devra respecter la compétence des tribunaux complémentaires. De retour à la première ministre. Étant donné que la première ministre ne veut pas nous dire les conversations qu'elle a eues à M. Obara ou M. Laurie, et avec, je vais poser une autre question. Dans l'information assermentée hier, la PPO a dit qu'entre le 10 et le 13 2014, Mme Obara, et Jocid, a promis, convenu de procurer un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir candidat, à s'abstenir de devenir candidat ou à se retirer sa candidature. Est-ce que la première ministre a autorisé? Est-ce que monsieur procureur général? Merci, monsieur le président.
Je sais que les députés d'en face, ce n'est pas le moment de contre-interroger et l'endroit pour le faire, c'est devant le juge dans les tribunaux. Pour réaffirmer ce que vous avez dit et ce que j'ai dit antérieurement, c'est notre responsabilité partagée à tous. Et ce sont des allégations sérieuses et ces allégations doivent être traitées ou saisies devant un tribunal. Et on ne peut pas, et ces personnes sont reconnues innocentes jusqu'à ce qu'elles soient reconnues coupables par un juge ou un tribunal. Et je demande à tous les députés de respecter la neutralité et l'impartialité des tribunaux. Complémentaire final. La BBB a commis l'offense, sachant donc qu'il est coupable. Et maintenant, nous savons que l'une des accusations concerne M. Thibault, le ministre de l'Énergie, et sa candidature. Ce que la première ministre va nous dire maintenant, quelles sont les 30 pièces d'argent qu'elle a offertes à M. Thibault? À l'ordre. À l'ordre. Le député va retirer ses commentaires. Passez. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Dans l'information assermentée que la PPO, entre le 19 novembre 2014 et 9 février 2015, a donné, procuré, promettre ou convenu de procurer un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir monsieur candidat, contrairement à l'article de la loi sur les élections. C'est troublant. Ma question à la première ministre est la suivante. Est-ce que la première ministre et le chef du cabinet adjoint a offert au COUF de l'énergie un poste pour qu'il devienne candidat? Nous voulons avoir une réponse, M. le Président. Veuillez vous asseoir. Merci. Veuillez m'excuser. J'étais préparé pour traiter ce que j'ai entendu. Le whip du gouvernement à l'ordre. La députée de Nepean-Carlton, retour à l'ordre. Première ministre, procureur général. Une fois de plus, Monsieur le Président, une nouvelle question qui a été posée. Malgré l'avertissement du Président, et ma réponse est la même. En tant que procureur général et le gouvernement respecte la compétence des tribunaux dans cette affaire. Les accusations ont été déposées devant la Cour et c'est à la Cour de traiter cette affaire. Et nous savons très bien que ces allégations seront saisies devant la Cour par le service des poursuites au criminel du Canada, et c'est à eux et c'est au juge de décider. Et du juge saisi de décider de l'affaire. À la première ministre, les gens ne veulent pas entendre la réponse du procureur général, mais de la première ministre. Entre le 19 novembre et le 6 février 2014, a-t-elle donné, procuré, promettre ou convenu de procurer un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir candidat, à s'abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature, contrairement à la loi sur les élections? Est-ce que la première ministre ou le chef du cabinet adjoint a offert à M. Thibault pour l'inciter à devenir candidat? Procureur général, merci, M. le Président. Une fois de plus, la première ministre a été très claire, très ouverte envers les Ontariens. Elle a répondu aux réponses
concernant ces allégations devant les médias et devant cette Chambre. Cependant, la Première ministre connaît très bien ses responsabilités concernant le processus judiciaire de la présomption d'innocence en termes d'allégations qui ne sont qu'à ce moment-ci des allégations. La Cour a été saisie et le tribunal est compétent en cette affaire parce que ça concerne les règles de droit, les règles de la preuve. Nous respectons ce fait et j'ai hâte que les tribunaux soient saisis de cette affaire. Député Danae Colbell. La première ministre a nommé M. Lougheed commissaire de police en 2011. Hier, M. Lougheed a été accusé de fraude en vertu de la loi sur les élections. Quand est-ce que la première ministre va retirer la candidature de M. Lougheed comme commissaire à la commission de police de Sudbury? M. le Président, et l'opposition peut continuer à poser la même question encore et encore. La réponse ne sera pas différente. Intervention du Président. Merci. Réponse. La réponse est la même. Ce sont des allégations concernant une affaire devant la Cour. Et la Cour a été saisie de cette affaire complémentaire. Monsieur le Président, hier, Mme Sorbara a été accusée de fraude en vertu de la loi sur les élections. Hier, M. Lougheed a été accusé en vertu de la loi sur les élections. Hier, la première ministre a demandé à Mme Sorbara de se retirer. Hier, la première ministre n'a pas demandé à M. Lougheed de se retirer de la commission de police. Pour les gens de Sudbury, qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand est-ce que la première ministre va-t-elle retirer la nomination de M. Lougheed à la commission de police de Sudbury? Procureur général, Monsieur le Président, ce que je comprends, on parle de nomination, c'est la décision de la commission de police et non pas de la première ministre ou du gouvernement. Ainsi, il y a un processus en place en vertu de la loi sur les services de police qui prévoit ce genre de situation et il serait très inapproprié et manque de respect si j'intervenais. Je peux vous assurer que la première ministre n'a pas la capacité ou l'autorité de retirer quelqu'un de la commission de police. Député de Kingston et des îles, ma question s'adresse à la personne responsable des aînés. J'ai eu l'occasion de rencontrer les aînés, les seniors. Il y a eu une couverture de votre visite avec un foyer pour personnes âgées OSS. Je suis très heureuse que vous êtes venue de voir l'association des aînés et des seniors pour leur association, pour leur assemblée générale. Merci d'être venue de rencontrer les aînés en Ontario. Je suis et cela leur donne, pardon, cela vous donne la possibilité de bien comprendre la situation des aînés dans la province. Cela vous donne une perspective sur la situation des aînés. Je sais qu'il n'y a pas autre chose à faire que de les rencontrer en personne. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre concernant son expérience avec les aînés dans la région de Kingston et des îles, la ministre responsable des aînés? Je voudrais remercier la députée pour sa question importante. Je voudrais la remercier également pour tout son travail qu'elle ferait au nom des aînés dans sa circonscription. Il est très clair que la bonne population de Kingston apprécie très bien le travail de la députée en leur nom. Et Monsieur le Président, et comme la députée mentionnait, j'ai eu le privilège de rencontrer ces personnes à Kingston et à Ottawa. La semaine précédente, j'ai rencontré à Kingston deux groupes qui m'ont fait état des obstacles, des défis auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Mais de bien comprendre les défis des aînés est plus important encore. Je comprends mieux comment les collectivités se réunissent et pour faire face à ces défis.
Et ma rencontre à OSS, j'ai rencontré lors d'un déjeuner les aînés de vivre de façon indépendante. Merci. Monsieur le Président, je voudrais féliciter la ministre pour sa réponse et son engagement envers les aînés. Je suis très heureuse d'entendre que vous avez été inspirée sur le travail de ces groupes. J'ai travaillé avec ces groupes. Je partage leur enthousiasme et leur énergie. Je suis d'accord qu'il est important pour nourrir ce sens de la collectivité et améliorer et approuver, pardon, et appuyer ces groupes. Et elle a travaillé, pardon, elle est allée également à Ottawa. Vous avez rencontré plusieurs leaders dans les centres pour aînés et des jeunes dans le programme de gestion des foyers pour personnes âgées. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut faire une mise à jour à cette Chambre pour parler de ses rencontres avec les divers groupes à Ottawa? Ministre, une fois de plus, je voudrais remercier la députée de Kingston et des Îles pour sa question. Oui, je suis allé à Ottawa aussi, au foyer des jeunes pour personnes âgées, et j'ai rencontré plusieurs personnes de cette région. Et le centre Good Companionship, j'étais très impressionné par cet établissement et les programmes historiques. Et comme par exemple un programme qui s'appelle Centre pour personnes âgées sans mur, et avec des ateliers aux personnes qui n'ont pas accès au centre communautaire. C'est un excellent exemple d'un programme économique pour s'attaquer au problème d'isolement social. J'ai également visité le centre Algonquin Ambitious de jour qui souffre de démence. Merci. Député de Dufferin-Caledon. À la première ministre. On a vu ici des accusations de complot contre la chef de cabinet adjointe de la première ministre et j'aimerais savoir si la première ministre est impliquée. Au procureur général, nous avons parlé de cette question. Maintenant qu'il y a des accusations qui ont été déposées, il est inapproprié pour quelqu'un ici de s'engager dans cette discussion. C'est inapproprié et cette question est devant les tribunaux. C'est notre responsabilité partagée de le faire et de laisser le tribunal faire son travail. Complémentaire, député de Nipissing. Monsieur le Président, j'aimerais adresser ma question à la première ministre. La chef de cabinet adjointe de la première ministre s'est vue accusée de complot par la PPO. La population ontarienne veut entendre la réponse de la première ministre. Est-ce que la chef de cabinet adjointe de la première ministre a offert au ministre de l'Énergie un poste afin de l'encourager à devenir candidat? Le procureur général, Monsieur le Président, la première ministre a répondu à cette question ici en Chambre. Elle l'a fait auprès des médias. La première ministre est entièrement transparente sur cette question. Et il faut se rappeler qu'il est important de respecter le processus judiciaire. Il n'est pas temps ici de se questionner les uns les autres. Il faut laisser le travail aux tribunaux. Nous devrions respecter cela, Monsieur le Président, et j'encourage tous les députés à suivre les règles établies dans le règlement, comme vous l'avez mentionné plus tôt, où nous respectons les procédures judiciaires sans causer préjudice. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, j'étais à Niagara pour rencontrer Hélène. Hélène a un grand problème avec ce gouvernement. Ses parents sont mariés depuis des années et en nous, ils avaient besoin de soins à long terme. Son père est à Greensby et sa mère Jessie est à Sainte-Catherine. Clarence et Jessie n'ont jamais été séparés auparavant. Dans leurs dernières années, après avoir passé une vie ensemble, et par un mauvais programme de réunification, les chances sont qu'ils ne vivront plus jamais ensemble. Ma question est simple. Que fera la première ministre aujourd'hui pour aider Hélène et ses parents et s'assurer qu'ils ne soient pas séparés une journée de plus?
La Première ministre, je sais que le ministre de Santé et des Soins de longue durée voudra parler de ce sujet. Mais personnellement, j'aimerais dire aux députés de l'autre côté que c'est une question qui est extrêmement importante pour moi personnellement et je crois pour chacun d'entre nous ici, car nous le savons, nous connaissons les des couples, que ce soit des parents, des grands-parents, des oncles ou des tantes qui sont ensemble depuis 50, 60 ans, qui veulent être ensemble pour ces dernières années. Et ils sont devenus une unité. Et donc, Monsieur le Président, nous faisons tout ce qui est en notre possible afin de s'assurer que c'est ce qui se passe dans toutes les situations. Et comme je l'ai dit, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra certainement commenter la complémentaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je sais que personne ici dans cette chambre aujourd'hui, incluant le ministre de la Santé, ne voudrait que ses parents soient séparés dans deux institutions de soins de longue durée différentes, dans deux villes différentes, après avoir passé une vie ensemble. Ce n'est pas acceptable qu'un couple qui passe 70 ans ensemble doit être séparé en fin de vie parce qu'ils ont besoin de soins de longue durée. Jesse et Clarence ont 92 et 93 ans. Ils veulent être ensemble, ils s'inquiètent les uns des autres et ne devraient pas être divorcés par un système de soins de longue durée. Est-ce que la Première ministre va s'engager à réunifier Jesse et Clarence afin qu'ils puissent passer les dernières années de leur vie ensemble? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. C'est une question extrêmement importante. On parle ici de la vie des gens. On parle de deux personnes qui devraient vivre dans le même foyer. En fait, dans notre système de soins de longue durée, la plus grande priorité que nous avons pour un transfert de lit, c'est la réunification des couples. Il n'y a donc aucune autre priorité plus importante. En fait, nous avons présenté de nouveaux règlements dans notre système de soins de longue durée afin de permettre à un couple qui vit dans deux foyers différents d'être réunifié. Je souhaite simplement... C'est la première fois que j'entends parler de cette question. J'aurais aimé que le député m'approche sur cette question. Et plutôt que de le soulever ici, sur cette tribune, j'aurais aimé que nous puissions régler cette question ensemble. Député de Kitchener Centre, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. Nous voyons les informations et communications et technologies croître très rapidement dans notre province. Et lorsque vous visitez Kitchener Centre, ma circonscription, vous voyez certainement des preuves de ce fait. La région d'Ottawa, voilà où le téléphone intelligent, le BlackBerry, a été créé. Pourtant, de jeunes entrepreneurs continuent d'innover avec des créations de logiciels et de disques durs qui changera la façon dont on vit. Cet environnement entrepreneurial dans la région du Grand Toronto a été nommé le corridor de technologie Waterloo-Toronto. Nous avons Research in Motion qui mène la voie. Nous avons des milliers de nouvelles entreprises technologiques qui créent des emplois payants. Le ministre était récemment en Californie pour faire la promotion de l'Ontario. Est-ce qu'il pourrait nous parler des perspectives qui sont subvenues suite à ce voyage? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. J'aimerais remercier la députée de Kitchener Centre pour cette question, mais aussi pour vraiment être à l'avant de cette question. Alors que j'essaie de répondre à cette question, je pense à quel point il est important pour nous d'accomplir notre rôle, de donner une bonne économie, une économie qui fleurit à la prochaine génération. Lorsque l'on regarde le fait que l'Ontario est deuxième en Amérique du Nord dans la technologie communication, je regarde ma petite fille ici, Jerry, qui est occupée avec une de mes collègues. Et voilà de quoi on parle. Les jeunes ici qui sont avec nous, on veut construire cette nouvelle génération, cette prochaine génération, cette prochaine économie. Nous attirons des investissements de Google, Cisco et Amazon. C'est très important pour nous. Complémentaire.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est très encourageant d'entendre qu'il fait la promotion active de nos entreprises les plus novatrices et leur donne accès à un marché global. Lorsque je m'assois avec des gens du secteur de Kitchener, tout particulièrement ceux qui ont décidé de se situer dans ma collectivité, ils ont une liste de raisons à savoir pourquoi ils ont choisi la région de Waterloo et l'Ontario pour s'établir. Je peux vous dire que mon fils a lancé une entreprise à Kitchener il y a quelques années. Il a une filiale en Californie, mais il choisit de conserver son quartier général de son entreprise ici en Ontario. Est-ce que le ministre pourrait parler de cela? Étant donné la compétition très importante sur la scène mondiale, qu'est-ce qui fait qu'Ontario est un endroit exceptionnel pour faire des affaires, tout particulièrement dans le secteur des technologies? Et qu'est-ce que fait ce gouvernement pour assurer la croissance de ce secteur? Au ministre. La députée de Kitchener Centre a visé en plein dans le mille. Il faut aider les entreprises à s'élargir. Elles réussissent très bien. Nous avons parmi les meilleurs jeunes, les meilleurs entrepreneurs ici. Nous voulons les aider à construire des entreprises internationales. Nous allons essayer d'avoir cette efficacité. Nous voulons nous assurer d'avoir le meilleur crédit d'impôt en Amérique du Nord, entre autres, et nous devons nous assurer que ce flux de talents qui sort de nos institutions postsecondaires, qui attire les investissements à l'Ontario, aide ces entreprises à s'agrandir. Monsieur le Président, c'est bien. Nous continuons à travailler avec notre initiative de croissance des entreprises. Nous continuons à aider ces jeunes entrepreneurs à réussir. Député de Leeds-Grenville, nouvelle question. Au ministre de l'Énergie, dans l'information qui a été recueillie par le PPO du 16 février, entre le 19 novembre 2014 et le 6 février 2015, je veux savoir si Mme Sorbara a offert à M. Thibault de devenir candidat a contrevenu la loi de l'article 96E de la loi. Madame la Première ministre, qu'est-ce que vous lui avez offert pour devenir un candidat? Intervention du président. Il y a deux problèmes ici. Premièrement, à l'intérieur du ministère, la responsabilité qui doit se produire lorsque on pose des questions du côté du gouvernement. Et le deuxième problème, c'est ce dont j'ai parlé lorsque j'ai mentionné qu'il y a vraiment une façon de poser des questions, c'est-à-dire de le faire sans imputer de motif. Je vais demander au député de reposer sa question afin de ne pas porter atteinte à la personne à qui il pose la question. Je demande au député de reposer sa question. Ma question est simple. Qu'est-ce qui a été promis au ministre de l'Énergie? Intervention du président. Je ne permettrai pas cette question, étant donné la nature que je viens d'expliquer.
À l'ordre. Député d'Oxford, revenez à l'ordre. Député de Nippin-Carton, revenez à l'ordre. Député de Simcoe Gray, revenez à l'ordre. Député de Dufferin-Caledon, revenez à l'ordre. Député de Dufferin-Caledon, deuxième fois. Député de Lynx-Grenville, merci. Député de Lynx-Grenville. Vous ne m'aidez en rien. Député de Leeds-Grenville, revenez à l'ordre. Député de Leeds-Grenville, je vous avertis la deuxième fois. Député de Leeds-Grenville, vous êtes averti. Député de Leeds-Grenville est averti. Prochaine question. Député de Nickel Belt. Ministre des Finances, revenez à l'ordre. Ministre des Finances. Deuxième fois. Arrêtez la pendule. Ministre de l'Éducation, revenez à l'ordre. Ministre des Finances, je ne crois pas que vous m'ayez entendu. Revenez à l'ordre, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Député de Davenport, vous revenez à l'ordre. Nouvelle question, député de Nickel Belt, pardon. Le député de Bramley-Gormalton. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. La PPO prétend que M. Lougheed et Mme Sorbara ont, et je cite, commis une infraction en pleine connaissance de cause et sont donc coupables. Ces accusations sont donc liées à l'offre faite ou non à M. Thibault, maintenant ministre de l'Énergie. Lorsqu'il est devenu candidat du Parti politique libéral. Est-ce que la Première ministre nous dira quelles étaient ses discussions, qu'est-ce qui a été promis à M. Thibault pour qu'il devienne candidat pour le Parti libéral, au procureur général? Merci. Encore une fois, le député de l'autre côté est un avocat plaidant dans les tribunaux et je sais qu'il sait, qu'il connaît le processus. Je sais qu'il connaît et comprend le processus de la présomption d'innocence. Et je sais, qu'il connaît plutôt les règles sous-judiciaires impliquées ici dans les règlements. Je suis donc surpris qu'il continue, de la part de son parti, à poser la même question, puisqu'il sait très bien que ce n'est pas là le bon endroit pour poser ces questions. Je demande donc respectueusement aux députés de l'autre côté de reconnaître et respecter la responsabilité judiciaire et de laisser cette question être traitée dans les tribunaux. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il y a certains éléments qui nécessite une preuve hors de tout doute. Et il y a aussi les droits du Parlement, et je suis fière de poser cette question et d'essayer d'obtenir une réponse ici au Parlement. Les députés au gouvernement fédéral ont fait 167 000 $ par année. Ici, on fait bien moins, mais les ministres font environ 166 000 $, qui est environ à peu près le même salaire des députés à Ottawa. Maintenant, peu importe qui a discuté avec Mme Sorbara de combler l'écart entre le salaire de député fédéral de M. Thibault et le salaire de député ici, et je veux savoir si un poste de ministre faisait partie de cette discussion.
au procureur général. Monsieur le Président, c'est une question complètement ridicule. Le député de Sudbury a diminué son salaire d'environ 67 000 $. On devrait être fiers. Nous lui avons demandé d'être notre candidat afin qu'il puisse continuer à construire des écoles et des hôpitaux dans sa circonscription et aider ses résidents. Monsieur le Président, encore une fois, je trouve et nous trouvons cette ligne de question très inappropriée. Nous, ici, nous faisons le procès d'intention et j'aimerais que l'on laisse les questions posées dans les tribunaux. Député de Barrie, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Il est important pour les gens du Nord de savoir que leur gouvernement font des investissements dans le Nord afin d'encourager la création d'emplois et les activités économiques. De plus en plus, Monsieur le Président, les productions télévisées se tournent vers l'Ontario, le Nord de l'Ontario. Nous avons des films tels que Sleeping Giant et Born to be Blue ont été filmés dans le Nord de l'Ontario. Je comprends que l'industrie du film dans le Nord de l'Ontario est une source significative d'emplois et joue un rôle très important dans l'économie locale. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait, s'il vous plaît, nous expliquer ce que fait ce gouvernement afin d'appuyer la création d'emplois dans le nord de l'Ontario et afin d'appuyer l'industrie du film de l'industrie du Nord? Ministre du Développement du Nord et des Mines, je remercie la députée de Barrie pour cette question. Nous sommes très fiers du nord de l'Ontario et de la Société du Fonds de patrimoine du nord de l'Ontario qui aide ses productions. Nous avons les producteurs Jonas qui ont filmé plusieurs films dans la région du Nord. Nous avons eu des visionnements de ces films dans ma circonscription. Ça a été financé par notre fonds. Et, Monsieur le Président, nous travaillons très fort à chaque jour afin d'aider à diversifier l'économie du Nord de l'Ontario et de créer de bons emplois de qualité pour les gens du Nord afin d'aider le secteur de production qui croît rapidement dans le Nord de l'Ontario. Nous aidons avec les hôtels locaux, les restaurants, les entreprises, afin de voir. Nous voyons aussi des équipements qui sont fournis et nous voyons aussi une excellente possibilité ici pour les commanditaires et pour la population d'être engagée sur l'équipage de tournage. C'est excellent pour le développement du nord de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, merci. Eh bien, il est tout à fait manifeste ici que le gouvernement s'engage à favoriser le développement du secteur cinématographique et télévisuel dans le nord de l'Ontario. Et c'est vraiment très, très important car cela génère de nombreux emplois directs et indirects ainsi que de nombreux revenus. Alors, je sais que le gouvernement et surtout le ministre a fait des annonces dans le nord de l'Ontario concernant les investissements dans ces secteurs dans le nord. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer en quoi ces investissements ont aidé ces secteurs cinématographiques et télévisuels dans le nord de l'Ontario et quelles en sont les répercussions pour les gens du nord? Merci à la députée de Barrie pour cette question. C'est vraiment une question très importante parce que ces deux secteurs ont généré 1,5 milliard de dollars en revenus pour notre économie et il s'agit vraiment d'un centre de production télévisuelle et cinématographique qui est le premier au Canada, celui dont je parle, dans le Nord. Et en fait, nous ne sommes pas loin derrière la Californie et New York en termes de tournage de films. Plus de 13 millions de dollars et plus de 23 projets cinématographiques ont vu le jour dans le nord de l'Ontario. Et donc, je peux vous dire que toutes sortes de sociétés liées à ce secteur s'implantent dans le nord de l'Ontario. Et donc, j'aimerais vraiment vous dire que c'est pour cela que ces deux secteurs font partie de notre plan visant à favoriser l'essor de l'Ontario, à favoriser l'emploi et à stimuler la croissance économique. Merci. Nouvelle question, le député de Burnley, Gormalton. Est-ce que la première ministre à qui s'adresse ma question savait quelles étaient les discussions entre M. Thibault et Mme Sorbera
le procureur général, écoutez cette affaire devant les tribunaux. Nous respectons le processus et nous le laissons suivre son cours. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, si une offre a été faite, quelle était cette offre et qui a fait cette offre? Le procureur général, Monsieur le Président, cette affaire est traitée par les tribunaux et ce ne serait pas approprié de faire des commentaires à ce sujet. Merci. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. De nombreux Canadiens ont tiré une inspiration énorme de la dernière représentation du dernier concert des Tragically Hip. Cet été, malheureusement, nombre de mes commettants n'ont pas pu obtenir de billets pour se rendre à ce concert. Et bien sûr, ce sont des concerts dont les billets se sont vendus très rapidement. Et malheureusement, il y a eu des revendeurs qui ont malheureusement monopolisé ces billets disponibles en ligne, ce qui fait que les individus, les particuliers, n'ont pas pu y avoir accès. Ce n'est pas une bonne chose. Je sais que le procureur général se rend bien compte que c'est un problème et qu'il faut s'assurer que les particuliers aient une chance d'accéder à ces billets. Est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur les efforts de ce gouvernement à ce sujet? Le procureur général. Merci à la députée de Davenport pour sa question. Alors, tout le monde sait très bien comment se passent les choses ici en Ontario. Malheureusement pour les particuliers, c'est très difficile pour les particuliers d'acheter ces billets directement, car les revendeurs monopolisent ces billets disponibles en ligne et les revendent ensuite à un prix supérieur. Et le cas que vient de mentionner la députée, celui des Tragically Hip, est tout à fait représentatif de ce problème. Et la députée de Kingston et des Îles a été la première à signaler ce problème. Il y a donc des revendeurs de billets qui, malheureusement, d'un clic, peuvent monopoliser ces billets. Et il s'agit donc de programmes informatiques qu'ils utilisent et qu'il faudrait interdire. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition de la députée de Kingston et des Îles. Je la félicite de cette initiative et je m'engage à agir en tant que procureur général à interdire ces logiciels. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député, ou plutôt le procureur général, de sa réponse. Et je suis heureuse d'entendre que notre gouvernement s'engage à travailler à résoudre ce problème, problème qui a été signalé par la députée de Kingston et des Îles. Je pense que c'est une très bonne idée que d'interdire ces logiciels et j'aimerais vraiment la remercier personnellement pour son travail formidable dans ce domaine. Nous voulons interdire ces logiciels parce que nous voulons que le grand public, les particuliers, aient une chance égale de pouvoir acheter des billets pour des événements et des concerts qui les intéressent. Et donc, je pense que, bien sûr, le procureur général veut accroître la transparence dans le domaine de la vente de billets. Est-ce que le procureur général pourrait nous dire quels sont les détails de ce plan d'interdiction de ces logiciels de revendeurs? Le procureur général, merci beaucoup à la députée d'avoir posé cette question. Elle a tout à fait raison, cela va être une tâche ardue, cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il ne faut pas rester inactif. Et j'ai hâte d'entendre les commentaires de tous les acteurs du secteur. Il faut que les artistes, les salles de concert, les organisateurs de ces événements et bien sûr les inconditionnels de ces artistes nous donnent leur point de vue. Il faut pouvoir les écouter et j'aimerais vraiment remercier la députée de Kingston et des Îles d'avoir signalé ce problème et je vais m'adresser à mes homologues ailleurs qui ont d'ores et déjà pris des initiatives contre ce problème, tel qu'à New York, par exemple. J'ai toute confiance que nous transformerons ce secteur. Merci. La députée de Kitchener-Waterloo pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que les allégations relayées par le Toronto Star concernant M. Thibault et les offres faites à M. Olivier sont exactes?
Le procureur général, eh bien, Monsieur le Président, c'est une affaire qui est traitée par les tribunaux à l'heure actuelle et donc ce ne serait pas approprié que de s'exprimer à ce sujet. Il faut laisser le processus suivre son cours. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne pense pas que ce soit au gouvernement de nous dire quelles questions sont appropriées ou non dans cette chambre. Encore une fois, je vais demander à la Première ministre si elle pense que c'est une chose appropriée que d'offrir un poste de ministre en échange d'une faveur politique. Le procureur général, eh bien, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il existe des règles dans cette chambre qui interdisent de poser des questions, mais il n'y a pas non plus de règles qui nous autorisent à faire des commentaires sur les affaires traitées par les tribunaux. Il faut absolument respecter la suprématie du processus judiciaire. Nous connaissons tous le processus et en tant que procureur général de cette province, j'aimerais que l'on laisse les tribunaux faire leur travail. Merci. Le député de Northumberland County West pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, nous sommes vraiment très fiers de la réussite scolaire de nos élèves, grâce en partie au personnel enseignant et au personnel des écoles. Nos écoles sont reconnues de par le monde et dans tout le pays pour leur excellence dans le domaine de l'éducation, et c'est une chose dont nous pouvons être fiers. Et le 1er novembre marque le début du mois de la littératie financière. Comme nous le savons tous, il est essentiel à la réussite des élèves et au renforcement de notre économie que la littératie financière soit encouragée. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en dire davantage concernant ces initiatives pour nos élèves? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette question. Quelle question qui arrive à point nommé, n'est-ce pas? Car le mois de la littératie financière vient de débuter ici en Ontario. Et justement, ce mois de la littératie financière représente une occasion importante de souligner l'importance de ce thème. À l'ordre, s'il vous plaît, le député de Lancaster. À l'ordre, le député de Hamilton East Stoney Creek. Retirez vos propos. Je les retire. Que me demandez-vous de retirer exactement? Très bien, je les retire. Merci. La ministre. Alors, j'ai rencontré hier Cash et Tom du Conseil des ministres de la jeunesse de Toronto. C'était vraiment des jeunes qui étaient très motivés. Ils voulaient absolument renforcer la littératie financière dans toute la province et dans la ville de Toronto. Et je vous en dirai plus au cours de ma réponse. Merci. Complémentaire. Alors, bien sûr, c'est notre rôle à tous d'encourager la littératie financière chez nos enfants. Rappel au règlement. Le député doit se rasseoir. Merci. Je ne vais pas vous permettre de faire un rappel au règlement, à moins qu'il ne s'agisse d'un problème grave. Le ministre des Relations avec les Autochtones est prévenu. Vous êtes averti. Et donc, je suis heureux de voir que les élèves apprennent des choses telles que, par exemple, la gestion responsable de leurs moyens financiers, la planification financière et la préparation à des événements inattendus. Ce sont des compétences essentielles et je pense que ce sont des compétences d'autant plus essentielles que notre économie se mondialise. Et donc, est-ce que la ministre pourrait nous en dire plus sur ces compétences essentielles? Merci, la ministre. Monsieur le Président, nous avons tellement d'élèves de 9e année ici aujourd'hui, et pour eux et des élèves des quatre coins de la province, bien sûr, la littératie financière est synonyme de compétences pour mieux gérer leurs finances personnelles. Et bien sûr, cela fera d'eux des citoyens responsables qui pourront prendre des décisions éclairées concernant l'investissement de leurs fonds. Je suis vraiment très heureuse que les élèves en apprennent plus au sujet de la littératie financière. Et donc, c'est vraiment très important que de leur enseigner les compétences qu'a citées le député. Et le gouvernement s'est engagé en 2011
à rendre la littératie financière partie intégrante des programmes scolaires des élèves de la 4e à la 12e année. Il y a de nombreuses initiatives en la matière. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickelbelt. Pour la Première ministre, what was Mrs. Sorbauer's role? Quel a été le rôle de Pat Sorbauer dans la candidature de M. Thibault pour le Parti libéral, le procureur général? Le procureur général, comme je l'ai indiqué précédemment, Monsieur le Président, c'est une affaire qui est traitée par les tribunaux et ce ne serait pas approprié de répondre à des questions quelconques concernant une affaire traitée par les tribunaux. Et donc ce n'est pas approprié pour nous de discuter de cela dans cette chambre. Merci. Complémentaire. À la Première ministre, encore une fois, quel a été le rôle de Pat Sorbauer dans la nomination de M. Thibault au Conseil des ministres? Le procureur général, ce ne serait pas approprié de répondre à cette question, car cette affaire est traitée devant les tribunaux. Merci, le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Une seconde, s'il vous plaît. Le whip en chef du gouvernement, vous êtes averti. Continuez, s'il vous plaît. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Dans ma circonscription de Durham, il y a eu des investissements sans précédent de la part du gouvernement dans le cadre des infrastructures telles que, par exemple, l'autoroute 407 Est, qui a été élargie. Il y a également eu un service de train GO de Cortez à Bowmanville. Et il y a eu un investissement supplémentaire de 12,8 millions de dollars dans la remise à neuf de la centrale de Darlington. Et je suis vraiment très enthousiaste que d'être le député de cette circonscription à ce moment clé de son histoire. Nous avons pu également agrandir l'hôpital de Bowmanville et il y a eu de nombreuses initiatives dans ce domaine de consultation des parties prenantes compétentes et je suis vraiment très, très heureux du progrès de ces négociations et j'aimerais remercier le personnel du ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour son soutien de ce processus. Et donc j'aimerais dire que, en fait, l'intégration des services de santé va réduire les services de santé à Bowmanville et à Port Perry, dans les hôpitaux locaux. Merci, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'aimerais vraiment remercier le député de s'être fait le champion de l'hôpital de Bowmanville. Je le remercie de son travail dans ce domaine. Mais j'aimerais corriger ce qui vient d'être dit. L'hôpital de Bowmanville ne va pas fermer et il n'y aura pas de réduction de services, il n'y aura pas de compression effectuée dans ces services et ces services ne changeront pas. Il n'y aura pas non plus de fermeture de cet hôpital. Et en fait, je viens de recevoir une proposition d'un service des urgences à cet hôpital de Bowmanville et j'ai vraiment hâte de continuer les consultations concernant l'ajout de ce service des urgences. Et la Coalition pour la santé de l'Ontario a affirmé que l'intégration à l'hôpital de Scarborough permettrait l'amélioration et l'expansion des services à Scarborough et à Durham. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Quelle bonne nouvelle. Je suis vraiment heureux que l'on puisse assurer la qualité des soins aux résidents de ma circonscription. Il y a eu bien trop de désinformation. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dire à mes commettants comment on est arrivé à cette décision d'intégrer ces hôpitaux? Le ministre, merci au député de Durham pour sa question. Ces décisions, bien entendu, n'ont pas été prises à la légère. Il y a eu un processus de consultation très long qui les a précédés. Et il y a eu un groupe d'experts qui nous a fourni des conseils en la matière. Le RLI Centre-Est nous a également fourni des conseils dans ce domaine. Et j'aimerais vraiment féliciter tous les conseils d'administration hospitaliers qui se sont impliqués dans ce processus, cette préparation à cette prochaine étape. Et au cours des prochains mois, les conseils d'administration ainsi que le personnel de ces hôpitaux ainsi que les médecins vont continuer
à développer les structures hospitalières dont nous avons besoin pour prodiguer les soins dont ont besoin les gens de Durham et de Scarborough. Merci. Nouvelle question, le député de Bramley-Gore Mountain. Merci. Monsieur le Président, alors il s'agit d'un scénario sans précédent dans cette province, surtout lorsqu'on se penche sur le nombre de scandales dont fait l'objet le gouvernement. C'est absolument incroyable et il y a eu une contravention à la loi électorale, le fait de donner, procurer ou promettre de convenir un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir candidat ou à s'abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature. Alors j'aimerais vraiment savoir si l'acceptation d'un poste en échange d'une candidature, est-ce que ceci, à votre avis, constitue une violation de la loi électorale? Le procureur général, encore une fois, Monsieur le Président, la Première ministre s'est exprimée à ce sujet dans cette chambre et en dehors de cette chambre. Elle a répondu aux questions des médias. Il s'agit d'allégations tout à fait graves et il ne s'agit pas ici du bon endroit pour traiter de ces allégations. Il sait très bien, le député d'en face sait très bien que ce sont des allégations qui doivent être traitées devant les tribunaux. Il faut absolument respecter notre propre règlement et laisser le processus judiciaire suivre son cours devant les tribunaux. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, la réponse qui a été fournie par le procureur général n'est pas dans l'intérêt supérieur des Ontariens. Nous savons très bien, de par nos expériences passées, de par le scandale d'Orange, par exemple, que les meilleures réponses ont été obtenues ici, dans cette chambre, dans les comités. Et en réalité, on fait la lumière sur ces affaires dans cette chambre depuis bien longtemps, en posant des questions. Alors, est-ce que le procureur général pense ou estime que le fait d'accepter un poste en échange d'une candidature constitue une contravention à la loi électorale? Et est-ce qu'il faudrait prodiguer des conseils juridiques à la personne qui s'est trouvée dans cette situation? Le procureur général, eh bien, il s'agit d'allégations et ensuite, bien sûr, d'accusations portées par la police. C'est une affaire qui est traitée par les tribunaux et c'est aux tribunaux de déterminer si ces allégations sont justifiées. Et la réalité, c'est que mon ministère ne se préoccupe pas de cette affaire. Il s'agit en fait du service des poursuites pénales du Canada. C'est cette entité qui traite cette affaire. Ce n'est pas mon ministère qui s'en charge. Les accusés ont leurs propres avocats et c'est le service des poursuites pénales du Canada qui traite cette affaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un rappel au règlement, c'est un rappel au règlement. Bon, j'aimerais rappeler à tout le monde que soins palliatifs en hospice organise une réception aujourd'hui et je vous invite à vous y rendre. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue.